À chaque fois qu'il s'approche du tunnel, Guy Salvetti revit le pire incendie de sa vie de pompier. Un petit pincement au cœur et une petite pensée pour ce qu'on a tous pu vivre et pour toutes ces victimes qui n'ont pas pu ressortir de ce tunnel. Il est 10h58 ce 24 mars 1999 et un automobiliste vient de lancer une alerte. Ce jour-là, je passais par pur hasard au centre de secours lorsque le premier engin est déclenché. De la fumée a été aperçue dans le tunnel du Mont-Blanc sans plus de précision. Plusieurs véhicules de pompiers sont envoyés sur le champ. On fait face à un mur de fumée, fumée noire. On ne voit pas un mètre. On arrive à apercevoir nos mains quand on les approche de notre visage. En se rapprochant, on arrive à visualiser ce qu'on fait, mais on ne voit pas au-delà. C'est un camion belge qui a pris feu au milieu du tunnel. Les flammes se sont propagées à sa cargaison de margarine et de farine, deux matières hautement inflammables. Le routier abandonne son poids lourd en plein milieu de la voie. Il y a eu de la fumée, je me suis arrêté. J'ai descendu, j'ai regardé, j'ai voulu prendre l'extincteur et il a pris feu. C'est une boule de feu, ça va prendre ampleur en quelques secondes. Et du coup, la seule bonne chose qu'il a à faire, c'est de partir et c'est tout. Les fumées toxiques se propagent à une vitesse moyenne de 16 km par heure. Il fait plus de 1000 degrés à l'intérieur du tunnel. Après 5 heures de combat à bout de force, le visage couvert de suie, l'adjudant Guy Salvetti sort du tunnel sans avoir pu atteindre le cœur de l'incendie. Il vient d'apprendre que l'un de ses collègues y a laissé la vie. Le feu est toujours hors de contrôle et la peur s'installe chez plusieurs familles de disparus. À l'époque, Pierre-Étienne Denis est inquiet. Sa sœur et son beau-frère n'ont plus donné signe de vie. Ils partaient vers Cannes, puisque ma sœur et mon beau-frère devaient se marier en septembre. Et donc, ils allaient choisir la robe de mariée. Enfin, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc, j'appelle, personne ne répond. L'incendie est toujours en cours et pourtant, l'exploitant du tunnel se veut rassurant. Ce que je veux affirmer ce soir, c'est que les dispositifs de sécurité qui ont été mis en place ces dernières années au tunnel du Mont-Blanc ont certainement permis que nous passions aujourd'hui à côté d'une catastrophe majeure. Des mots censés rassurer mais qui font bondir les familles de victimes. Pierre-Étienne Denis s'en souvient encore. Je réagis très mal à ça, mais je crois qu'il n'y en a pas un qui a évidemment bien réagi, puisque c'est simplement la démonstration que rien n'est piloté dans le tunnel, même pas la communication, et en tout cas qu'effectivement on n'est pas capable de savoir le nombre de véhicules qui sont dans le tunnel et de gens qui sont en train de cramer, parce que c'est bien de ça dont on parle. Le tunnel n'est pas suffisamment équipé, le téléphone et les caméras ne fonctionnent pas, plusieurs capteurs sont en panne. Alors que l'ordre est donné de pousser les fumées vers l'Italie, le régulateur italien se trompe de sens et les envoie vers les pompiers français, aggravant encore l'incendie. Le combat contre les flammes durera au total 53 heures, et le bilan humain est lourd, 39 victimes. Alors très clairement, pendant le coup de fil, je le dis, et c'est physique, j'ai plus de jambes, puisqu'effectivement, tout le monde s'écroule, quoi. Beaucoup de personnes ont pris la décision de rester dans leur véhicule et sont mortes intoxiquées. D'autres personnes ont pris la décision de partir de leur véhicule. C'était une minorité, mais ces gens-là n'ont jamais eu l'occasion d'atteindre un refuge. La justice a condamné le responsable de la sécurité. Il aura fallu 3 ans pour rénover entièrement le tunnel du Mont-Blanc, qui n'a rouvert qu'en 2002. La circulation y est désormais surveillée 24 heures sur 24, mais dans toute la vallée de Chamonix, 20 ans après, l'incendie est encore dans toutes les mémoires.